Bah bonjour vous. Comment ça va là-dedans? C'est Johan de la petite chaîne et bienvenue sur cette première vidéo. Je vous explique le concept tout juste après. Première vidéo! Excusez-moi. Daniel, ceinture! Oui, safety first! Et c'est parti! Chaque jour, être impeccable dans mes mots, l'amour me rassure et m'emporte tous les deux. Mais le secret de la vie, c'est bien d'être heureux. Messieurs, dames, pour cette première vidéo, j'ai revêtu ma plus belle tenue nordique pour vous emmener dans un parc national en Finlande. Le parc national s'appelle le Palas Onstunuri. Palas Onstunuri. Onstunuri. Il reste tout le Onstunuri. J'arrive même pas. C'est quoi, c'est plus simple, je vous affiche le nom du parc national en question où je me rends aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, tous les noms, les mots en finlandais que je vais vous dire, je n'arriverai forcément pas à les prononcer. Du moins, j'essaierai. Donc ce soir, on va dormir en tente. Première nuit en bivouac solo en Finlande. Alors évidemment, c'est pas la période des aurores boréales, on est le 3 juin. Le temps est encore assez humide, le sol est encore assez humide. J'espère ne pas devoir faire le papillon ou le crawl pendant la nuit. Je vous emmène sur un trek qui est un peu plus au sud du parc national et qui dure une vingtaine de kilomètres, ce qui est très peu pour un trek de 2 jours. Mais je pense qu'on poussera un petit peu plus loin si on a le temps, selon les conditions météorologiques. Allez, les conditions météo. Donc voilà, c'est parti pour cette petite aventure, cette première vidéo sur la petite chaîne. J'ai pris mon véhicule pour rencontrer la vie, mes nuits sont noires, alors j'allume pour éclaircir le jour sans demander ton avis, mon ami. Pas de... Messieurs, dames, on est arrivé au point de départ dans le village de Akalas Lompolo. Je crois que je le dis bien, Lompolo. Ça me fait penser au Oompa Loompa. Donc peut-être qu'on va croiser des petits Inuits en forme d'Oompa Loompa. Je pars trop loin là. Je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Donc, il y a plein de chemins de rando. Et nous, on va suivre celui-là. Le Kukastunturin Keros. Donc le départ, c'est par là. Et donc ça y est, messieurs, dames, on y est. Ça va être trop, trop cool. Et la vie est trop courte pour avoir du temps à perdre. On vit tous dans son rêve, mais l'artiste c'est nous. Moi j'écris des proverbes et j'y repense à chaque fois que je regarde le ciel allongé dans l'herbe. Parfois on sombre. J'en profite que ce soit le début du trek, c'est très plat, c'est très calme, pour vous présenter la chaîne. Bah oui, parce que là je fais le guignol, ça va 5 minutes. Tout simplement, je vais vous emmener avec moi dans mes aventures, à travers des treks, à travers des randos, à travers des rencontres, à travers des voyages. Je vais vous partager tout simplement mes expériences. Et surtout, il y a un petit plus, c'est que j'ai une passion depuis très longtemps, depuis tout jeune, qui est la musique. Je fais un peu de musique avec mon propre style que vous allez pouvoir découvrir dans mes vidéos. Alors, la plupart du temps, les musiques que vous allez entendre, eh bien, ça sera moi qui les ai composées et vous m'entendrez chanter dessus. Alors, je dis bien la plupart. Toutes les musiques ne seront pas forcément de moi. Vous imaginez que le travail serait beaucoup trop énorme. Donc, tendez bien l'oreille. Et pour cette vidéo, j'ai enregistré un morceau. Donc, je mettrai un lien pour aller écouter ce morceau dans la description. Par contre, mon sac est un peu lourd. Je pense que je l'ai trop chargé pour 2 jours, en vrai. Et nous passons à droite. J'essaie de faire mon mieux chaque jour, être impeccable dans mes mots. Alors, il commence un petit peu à pleuvoir. Là, je viens de me prendre une petite averse sur la tête. Du coup, je suis touché de temps en temps de la caméra à la GoPro. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, par contre, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Messieurs, dames. Takakru Angarulu. Ok, allez. Magnifique tout ça quand même. Hein. Alors les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'abriter un petit peu. On va protéger notre sac quand même. Parce que j'ai peur que, bon, ce soit pas forcément le plus imperméable du monde.
Ça marche pas. Alors nous, on est ici, et puis on va monter donc jusqu'au sommet ici, et puis après on va redescendre gentiment par là. Et voilà quoi, ça fera une belle petite boucle pour un summer trail, comment on dit, assez atypique. J'ai pas réussi à installer le poncho avec le sac sur moi, c'était un peu compliqué ce soir parce que c'était un peu trop petit. Du coup le poncho, bah, il va servir un peu de housse de protection pour le sac, pour pas qu'il prenne l'eau. Figurez-vous que je viens de le mettre et évidemment il ne pleut plus. Eh oui, ah bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est beau, il n'y a pas grand monde, vraiment pas grand monde. J'ai dû croiser, allez, peut-être 2-3 personnes en vélo, une personne qui courait, et puis c'est tout quoi. J'ai pas croisé de randonneur, donc je pense qu'à mon avis, vu qu'on est vendredi en semaine, bah, ça c'est l'avantage de pouvoir faire des randos tranquille. C'est mon petit péché mignon quoi. Hein, il y en a c'est le chocolat, il y en a c'est les pieds, bah moi c'est la rando. Il y en a c'est les films de c'est moi. Ah non non mais non. Non, faut pas dire ça. Mais sur YouTube. Je vous présente un copain qu'on est content de retrouver. Le soleil. Oui. Ça commence à être très joli par là-bas là. On voit des montagnes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Je pense que ça va être très joli là-haut. J'ai hâte. Donc là on va arriver sur le plateau du sommet, si on peut appeler ça comme ça. Incroyable. Les amis, nous sommes officiellement au sommet de notre petite montagne dont je vous remets le nom tout de suite ici. Voilà, on se fait une petite pause, on kiffe, on profite de la vue avant de rejoindre notre abri pour la nuit. Ces moments-là que tu te dis fais des trucs que t'as envie, fais des trucs que t'aimes vraiment, parce que quand tu vas au bout des trucs que t'aimes, bah, des fois ça vaut vraiment le coup, et voilà, et après c'est du pur kiff quoi. Voilà. On prend tout dans le nez. Un truc de fou. Alors, il y a quand même un truc que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir la vue là-bas parce qu'il y a un petit rocher. Je vais y aller, tant pis, il pleut, mais faut que j'aille voir. Voilà, easy peasy. On va aller voir ce que ça donne juste là. Là. Ouais. C'est pas mal, mais on voit pas grand chose. Ah, la vue est un peu coupée avec les intempéries. On va essayer de redescendre un peu du sommet. On va aller se mettre à l'abri. J'ai trouvé mon petit spot pour la soirée. Alors, je vous montre rapidos. Donc en fait, l'abri avec le feu, etc., il se trouve juste là. Donc il y a déjà deux personnes à l'intérieur. Moi je fais le choix de me poser juste là avec ma tente où j'ai trouvé un petit terrain plat. Donc je vais pouvoir être tranquille juste ici. Et puis juste là je vais faire un petit feu avec ce que j'ai coupé. Alors pourquoi j'ai fait le choix de ne pas dormir dans l'abri? Alors tout simplement parce que, alors oui, bien sûr il y a déjà deux personnes, mais bon, moi je suis pas fermé aux rencontres, donc on a un peu discuté avec les deux Finlandais qui sont très gentils d'ailleurs. Moi j'ai fait le choix là de mettre la tente ici, c'est parce que j'ai envie d'être dehors en fait, tout simplement. J'ai envie de set up ma tente ici, de faire mon petit feu. Et ce qui est cool, c'est que là, je sais pas si vous voyez, du coup là derrière moi, voilà, il y a un petit abri, donc en fait je peux être dehors et je peux être abrité en même temps. Et ça franchement c'est top quoi. Allez, on y va, installation de la tente, c'est parti.
petit feu là quand même. Le feu, c'est un échec total. Tout le petit bois, les brindilles, peu importe tout ce qui est petit pour faire repartir le feu, tout est trempé. Ça part pas. Pendant que l'eau chauffe, bilan de la journée. Donc j'ai dû marcher environ 3-4 heures, j'ai fait 10 km. On a pu voir ce fameux sommet. Au niveau de la pluie, on a eu bien moins pire que ce que je pensais, donc ça va, ça s'est resté relativement correct. On s'est pas pris des grosses averses pendant toute la durée de la marche. Demain, normalement, j'ai checké un peu la météo, il fait beau, du moins le matin. Après-midi, ça se gâte, mais nous, on va marcher que le matin, donc ça va. Alors, au niveau des moustiques, bah ça va parce qu'il y en a quelques-uns, voilà. Il est 20h51, et regardez qui pointe le bout de son nez. Eh oui! Eh oui, il arrive toujours au bon moment. Toujours. Bon. Est-ce que je retente de faire du feu? Il va être 21h. Non. De toute façon, le bois est mouillé. On va retenter quand même. De choper des écorces d'arbres, de sapins, de bouleaux, etc. Qui est encore sec un peu à l'intérieur. On va voir si ça fonctionne. La mission remplie. Bon, bah ça va être l'heure d'aller faire dodo, hein. Il est presque 23h. Mais on dirait qu'il est 18-19h quoi. J'ai fait pipi sur le feu. C'est bon. Nous sommes officiellement à la maison. Et voilà, messieurs, dames. Est-ce que ceci peut faire office d'oreiller? Bah oui. Bah il est temps d'aller se coucher. Première nuit en bivouac, en Scandinavie, en Finlande, en Laponie. On se retrouve demain avec le soleil, je l'espère, et une belle dernière journée de randonnée. Bisous, à demain. Ciao, ciao. Bon matin. La nuit a été très mouvementée, assez courte pour tout vous dire. Il y a pas mal plu. On va essayer de se réveiller tranquillou. Et puis on va prendre le petit déj et puis on va se remettre en route. Hey, good morning. How are you? Fine, thanks. Did you sleep well? Half. Kind of. And you guys? Yeah, great, great as well. My friend is snoring so much, you know, like, that I had to use the earplugs, but then it went fine. So hopefully I stayed outside this night. Yeah, actually, we were talking about that yesterday. That it may be better for you. Where are you from, by the way? France. France, yeah, I was listening yesterday, the accent a bit. Yeah, you got it, yeah. So are you now starting travel back to south or...? Right now, yeah, I'm just... traveling back to my car, first. They have been, but we are the small nation, and those two kingdoms have been their Norwegians and Swedish, so they have been selecting the whole. Let's leave the rest for well, the Swedish question. It's all ages. Yeah, all ages, yeah. But okay, have a... Yeah, take care, guys, thank you. Bye-bye. Get ready! Oh. Putain. Et heureusement que je peux compter sur quelques
amis, ma famille à Bali. On se barre avec un peu de money. Escale à Kuala Lumpur. On a juste besoin d'un toit et des sourires en se partageant un nasi kempour. Et depuis c'est parti, deuxième jour de rando. Le temps est bon, le ciel n'est pas bleu. Voilà, on va se faire une petite pause, un deuxième shelter, donc un deuxième abri avec une hutte, etc. Juste pour s'asseoir 5-10 minutes et puis on terminera tranquille ce premier trek en Finlande, en Laponie finlandaise, les copains. Oh, et si je marche pour me libérer, que je calcule pas mes pensées, pour une vérité, je dois avancer. Nous sommes arrivés au deuxième abri. Il n'y a l'air d'avoir personne. Ouais. Donc c'est un abri ouvert en fait. Ok, stylé. Wow. Ah ouais. Bon, il y a eu des jours hier soir parce que ça sent encore le brûlé. Ah, c'est top. Ok. Eh ben, c'est pas mal pour une petite pause. On attaque la dernière partie du trek et le sol il est quand même vachement, vous voyez, c'est trempé, c'est vachement mou et je sais absolument pas où je dois passer. Je pense qu'à mon avis on va prendre un autre chemin. Ouais. C'est quand même un chemin beaucoup plus accessible pour les marécages. Ils sont pas bêtes ces Finlandais quand même, hein. Vous avez vu cette longueur que c'est, ça a fini tout là-bas là. Et j'ai démarré depuis derrière la forêt. C'est incroyable, la vue est super belle. Avec les monts Lapon tout autour là. Et ben voilà. La petite titine, elle est là. Bon les amis, c'est officiellement une fin de trek. Un trek qui aura duré au total 24 heures. 24 heures en Laponie finlandaise. Je suis ravi d'avoir partagé cette aventure avec vous. C'était fou, c'était extraordinaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite clochette là, cling cling, pour être averti de la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, elle sera certainement dans un autre pays. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao. J'essaie de faire mon mieux chaque jour, être impeccable dans mes mots, l'amour me rassurer m'emporte tous les deux, mais le secret de la vie c'est bien d'être heureux. Ah, vite, pépette, t'es légère et pratique. Ah, t'es légère et pratique, tu pépette.